Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Prochainement, on explore le bleu de cobalt. Je vous explique les pigments, les numéros de pigments, la création, la couleur et comment l'utiliser sur du papier. Ici, je suis sur papier coton, je suis sur un bloc encollé. Mais je voulais vous proposer quelque chose. Souvent, je fais sur papier cellulose, sur carnet créatif acheté chez Action. Mais je voulais aussi vous proposer quelque chose de beaucoup plus propre sur du papier coton pour que vous voyez vraiment le rendu. Et que vous aussi, allez dans les magasins des Beaux-Arts, regardez les promotions et achetez-vous du papier de qualité pour pouvoir progresser. C'est important. Faites des exercices. Plein d'exercices sur du papier cellulose. N'ayez pas peur de jeter, de déchirer ou de garder si le rendu est très bien. Mais faites des exercices. Ici, le bleu de cobalt, moi j'en ai trois différents. On compare, on fait les essais. La vidéo qui normalement devait être pour l'abonnement pour aller plus loin, eh ben, je vais vous le proposer en accès gratuit pour que vous compreniez la démarche que j'ai et où je veux aller. Donc je crée cette chaîne, je crée cet abonnement. Donc les vidéos ne sont pas toutes dessus, il y a déjà des vidéos. L'idée c'est de prendre vraiment de la première vidéo et d'aller progressivement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Si jamais vous ne comprenez pas, eh ben, de revenir en arrière. Mais j'ai un coup de cœur pour les pigments et c'est important de les connaître si on veut progresser et si on veut avoir un joli rendu à l'aquarelle. Moi aussi je fais des erreurs, moi aussi je déchire, moi aussi je gâche du papier, mais c'est pas gâché parce qu'en fait on travaille, on apprend, notre cerveau intègre des notions et ça nous permet de progresser, puis ça nous permet aussi de sortir notre zone de confort. Souvent on reste un peu bloqué. Je vous remercie aussi d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Ça m'aide à me dire qu'il faut que je continue dans ce sens-là. Ça, voilà, que vous êtes intéressés. En tout cas, j'aime beaucoup vos commentaires ou lorsque vous m'écrivez sur les groupes Facebook ou Instagram. Ça me fait énormément plaisir. On se dit à très bientôt. Je pense que pour octobre, cette vidéo sera disponible. Et on va continuer. J'ai encore, voyez là ici, j'avais préparé pour vous préparer sur la couleur terre verte. Et je voudrais vous expliquer aussi des couleurs qui sont l'or de quinacridone, l'ocre d'or et l'ocre jaune, forcément. On ira peut-être voir avec le terre de sienne aussi, hein. Mais voilà, je suis en train de préparer ces vidéos-là. Donc ce sera en gratuit sur ma chaîne pour que vous puissiez comprendre dans l'abonnement pour aller plus loin jusqu'à où je vais, où est-ce que je vais pour vous apprendre la notion des pigments, la notion du papier, l'humidité de l'eau. Je ne suis pas une professionnelle sur YouTube, donc j'essaye de faire au mieux avec le matériel que j'ai. Si jamais vous voulez m'aider à financer le matériel, eh ben, n'hésitez pas, ça me permettra d'acheter d'autres caméras et peut-être d'autres lumières aussi. Et des pigments, parce que voilà, les pigments, je les achète. Et voilà, et donc je vais vous proposer d'autres vidéos de